Salut tout le monde, c'est Yannester et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 des aventures d'un monde de cubes. Et aujourd'hui donc on a essayé de tenter de faire le boss qui s'est trouvé là-bas. Et ben on va changer de destination vu qu'on ne peut pas accéder vers cette colline si ce n'est que pour grimper plus. Et comme je n'ai pas le skill pour grimper plus, alors je me suis dit on va à Icola Mountain, mais d'abord. Et il faut que je m'achète quelques flasques, donc quelques bouteilles, que je remplis dans ce puits. Tiens, je viens de retrouver un puits maintenant. Pourquoi pas, hein. Donc, pour l'instant, on va chercher le Trad District qui se trouve vers là-bas. Et plus particulièrement chez le marchand de bouteilles. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas des trucs à vendre aussi. J'ai des trucs à warrior à vendre, j'ai des trucs power 1, mage. J'ai plein de trucs à vendre. Bah, ben, on va tout de suite voir le marchand de bataille. Qui est ici, qui est là, qui est juste formidable. Et je vais vendre ceci pour 20 pièces d'argent. Ceci pour 20 pièces d'argent. Et ceci pour 20 pièces d'argent. Par contre, les deux là... Dommage 2, ça fait 4. Ça donne plus d'HP, mais pas assez de crit. Donc on va les vendre aussi. Et on achète plein de bouteilles jusqu'à ce qu'ils nous disent en bas à gauche qu'on en a de 3 qui est la limite de chaque item et de 50. Et j'ai bien dit chaque item. Et apparemment j'en ai déjà 50. Je me trompe. Ouais, j'en ai déjà 50. Bon ben au revoir. On va remplir donc ces bouteilles. On va se crafter des potions. Est-ce que je peux m'en crafter au moins? Je peux m'en crafter 2. J'avais déjà des bouteilles remplies. 43. Peut-être que j'avais déjà fait 50 dans les épisodes précédents. Peut-être vous pourrez voir le coup. Je ne sais plus. Ça fait un moment que je n'ai plus filmé les aventures de monde de cube. Je devrais peut-être regarder. Je devrais peut-être regarder. Et donc je disais qu'on va à Icola Mountain et oula, qu'est-ce que je vois sur Dextory? Dextory me fait de la merde. Dextory me fait de la merde. Ah, il revient. Non, il me filme de la merde. Il filme à 16 FPS alors que chez moi tout est nickel. Bon. Bah c'est pas grave, hein, on va faire avec. On va faire avec. Si jamais c'est vraiment pire que j'ai pire, tant pis. Tant pis, tiens, on va peut-être se crafter quelques nourritures. Tiens, je peux me faire 16 pumping muffins plus 5. En tant qu'à faire, on va se faire des pumping muffins, des muffins aux citrouilles. Ouais. Et tiens, curieusement, maintenant, Dextory revient dans les FPS. What the fuck? Ok. Bon, bah... Tant qu'à faire, et c'est seulement quand je marche que... Oh, péril ornithorynque de mon niveau. Je n'ai pas rien pour t'adopter, hein, tu vas mourir. S'il te plaît. Meurs, et meurs. Voilà. Et ce sera sans pitié sur chaque animal qu'on trouvera sur la route. Voilà. Et il a deux trucs à vendre, bon. Bah, comme ça c'est fait, hein. Comme ça, de l'argent, ça manquera pas sur Cube World. Et il y a des vaches, est-ce que je vais tuer les vaches? Ils sont légèrement niveau au-dessus, j'en vais en tuer un pour voir. Et les deux se rappliquent, pourquoi pas. Rectification. Ils se rappliquent tous. C'est la fuite. Ils se rappliquent tous. Bon, vous savez quoi? J'ai un skill. C'est pas pour rien qu'il est débloqué. Donc ce que je vais faire... Mais non! Oh, il s'est trompé de côté. Bon. Bah, tant pis. Je vais attendre que ce skill se débloque. S'il te plaît, fais pas le con, Philippe. Tout là, on peut se faire le fric. Ah, il s'est débloqué. Bon. Bah, c'est... Oh, dammit, j'ai encore loupé. Bon, c'est pas grave. On va tous les faire, ça nous donne 2 XP. Oh, max.
et un leftover, ça c'est pas mal, plus 29, waouh, la vache. Et un truc pour Warrior, malheureusement. Et j'ai caché 3 potions. Ami ou ennemi? Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'était un ennemi qui me fait friser en plus. Donc on va l'attaquer, vu qu'il est de mon niveau, ça donne de l'XP. Un d'XP seulement. Bon, j'ai eu plus avec les vaches. Hein. Et un hibou. Bah tiens, un hibou de mon niveau. Et ça tombe bien, j'ai un truc pour les hiboux! Mangez ça, partenaire! Ah, fuck. Ok. Mangez ça, partenaire! Mangez ça. À moins que je me trompe, c'est pas pour les hiboux. Ah merde, non, c'était pour les mouches, c'est vrai! Bon bah, tant qu'à faire. Voilà. Comme ça, lui, c'est fait aussi. Est-ce que je peux... Non, je n'ai pas trouvé de fleurs dans le coin. Yeah! Oh, j'ai même pas regardé si on pouvait costumer le manche. Pourquoi ce serait plus tard? Je vais te débloquer, gentille sorcière! Voilà. T'es content? J'adore traverser les villes de différents pays. Ouais. C'est ta vie, si tu veux. Et on est encore loin de Icola Mountain. Bon, ben, on va se boire une petite potion, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire! Il y a juste encore une bûche, là. Désormais, on va faire la collection d'arbres. Ou pas. Ou pas. Bon, ben tant pis, il y aura des ou pas aussi. Et là je vois une visière, espérant que ça soit un gentil et pas un méchant. Ouais, bah allez, hop, fuck it. Fuck les rayons verts. Et il a même pas fait son rayon vert, si c'est pas magnifique ça. Il a même pas fait son rayon vert. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Et je prends aussi du coton pour me faire quand même quelques habits. Je ne sais pas si les rogues ont le droit aux armures. Donc, que faire, je crois que les armures sont seulement réservées aux warriors. Et aux warriors, c'est tout. Et d'ailleurs, pour faire des armures, il faudrait de toute façon... qu'est-ce qu'il faudrait de toute façon pour les armures? Il faut du fer, et les fers ça se trouve dans les grottes. Et les grottes, il faut en trouver, il faut aussi y avoir une bonne génération de maps. Hein. Une très bonne génération de maps. Ah, c'est nos amis, les Gnobold, les Gno machin truc. Tant qu'à faire, on va se faire aussi des flasques. Hein. Car oui, aujourd'hui c'est papillon et compagnie. Des flèches jusqu'à ce qu'il va me dire qu'il y aura de trop. Et voilà, juste à ce moment-là. Et vu que c'est des flasques que j'ai achetées, ben il les garde. Et juste deux fleurs de soin, si c'est pas la classe ça. Juste devant, là. Ici. Une, deux. Voilà. Oui, bon, eh oh, j'ai pas encore continué à crafter, hein. Voilà. Parce qu'il en faut des potions de soins, surtout pour les combats de boss. C'est très important, parce qu'on perd très facilement de la vie. Il y a un poulet là-bas. Donc à faire, on va se faire un poulet. Qui me donne des trucs de Rock Power 5. Voyons, voyons, parce que c'est qu'un seul truc aussi. C'est tentant, mais non. Non, de toute façon, c'est qu'un seul et c'est la moitié que peut faire le sabre. Je resterai au sabre. Et je suis à Icola Mountain. Snoop Battle de mon niveau. Je vais d'abord plutôt manger que de boire une potion. Si ça veut bien, merci. Bien. Bon, Snoop Battle. Snoop Battle. Merde. Il commence déjà à m'attaquer. Aussi le Dark Battle. Hein.
Bon. Ben, ça y est, c'est le combat qui commence. Hop, voilà, 2 XP. Seulement. Bah oui, seulement. Et je pense que, à mon avis, le boss va être... quelque chose. Quelque chose, il veut bien m'ouvrir l'inventaire. Car c'est souvent ça dans les certains combats. L'inventaire ne s'ouvre pas pour des raisons qui m'est inconnue dans ce jeu. Donc, voyons. Si je prends ça avec ça, 50. Alors je regarde toujours le weapon rating, c'est toujours ça qui est important. Bien qu'il faut aussi avoir les autres trucs. 50 avec celui-là. Si je combine avec celui-là, 95 contre le sabre qui fait 91. Si je regarde au niveau tempo, 103,4 contre 102. Ouais, allez hop, on va se prendre les coups de poing américains. Pour une fois, on va changer de style. Hein. Enfin, pour une fois. Pas vraiment pour une fois, mais... Oula, j'ai quelques frises finalement. Ce que Film TX Story, que je vois 6-7 FPS, c'est pas de conneries. Si ça veut moins friser, ce serait bien. Voilà. Eh, hey, classe avec le skill avec les coups de poing américains, qui est totalement différent. Moi je pensais que ce serait exactement pareil, que ça foncerait, mais non. Oula. Et toi le Snoop Beetle, tu vas peut-être te calmer, hein. Bon, je devrais peut-être aussi m'écarter, mais avec ce petit freeze qui vient d'apparaître à ce moment même, ça va pas être évident. Oh, j'ai trouvé un vanilla cupcake. Bon, par contre, je vais peut-être boire une potion finalement. Je prends les deux objets en même temps d'un coup, aussi rapidement, en appuyant directement sur E. Oh non, toi tu vas te calmer. Voilà. Calme. Eh, hey, classe sa position en tout cas avec sa position de combat. Un vrai boxeur. Un boxeur punk skelet. Faut pas déconner. Bon, bon. Deux Snoop Beetle, un Dark Beetle par ici. Ouais, je sens qu'il va y avoir... d'ailleurs, il est où ce boss? J'ai dit, il est où ce boss? Voilà, le même pas qu'avant. Chaque combat, c'est pareil. Chaque combat, je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne sais toujours pas la raison. Mais chaque combat, je ne peux jamais appuyer sur une option. Sur un option, pardon. Parce que là, j'ouvre, j'essaie d'ouvrir ma map. Je bourrine. Mais rien. Et en plus, le pire, c'est que ça commence à friser. Bon. Bon. Bah, du coup, on va piffer, hein. On va chercher le boss en pif. Non, mais ça fait chier, là. Je veux absolument la map. C'est toi. Allez. Et à chaque fois que ça... Oh, mais il va... Je sens que les mobs dans cet endroit vont commencer à me chauffer sur les nerfs. Bon. Enfin, il s'est ouvert et le boss... Oui, c'est toujours ça quand on bourrine aussi la touche... une touche pendant qu'on est impatient, c'est ça. Des petits clignotements de cette option que nous essayons d'ouvrir. Qui n'est toujours pas finie d'ailleurs. Bon. Il va me foutre la paix, oui. Je peux plus l'enlever. Mais oh, c'est pas possible. Je ne peux rien faire. Ah, quand même. Bon, le boss est juste là-bas. D'ailleurs, je le vois sur ma minimap. Oh putain. Et je sais pas si avec mes 3 potions, on va... Bah, tu vas... Ah, en plein combat en plus. C'est pas possible. Je ne peux absolument rien faire.
Eh, enlève-toi! Mais enlève-toi! Oh, miséricorde! On ne peut jamais remédier à ce problème. Jamais! Ah, cop. Bon, ben, je sens qu'on va compter sur les doigts, le... C'est bon? Ça, c'est fini les connards du map? Et c'est fini aussi les fucking lag. Parce que j'aimerais jouer tranquillou aussi. J'aimerais jouer en toute fluidité. Bon, ça c'est dû aussi que je filme en même temps. Pourtant, j'ai réglé les paramètres pour que ça frise moins, qu'il n'y a pas trop de saccades pendant que je joue. Il n'y en avait pas trop, c'était Firfou qui m'avait conseillé de faire de configurer et texturer d'une certaine façon, mais apparemment, je suis désolé Firfou, mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça fonctionne tellement pas que j'essaye d'ouvrir la petite roulette, ce que j'appelle la roulette de sélection, et qui veut toujours pas s'ouvrir, merde. Bon, ben, on va devoir attendre une fois de plus. Ah! Oui, je peux même combattre pendant la sélection, si c'est pas classe, ça. Bien, on va manger. On va manger parce que je vais économiser les potions. Et ça frise, punaise! Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je me mouchais juste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça frise autant? C'est la première fois que ça me fait ça. Je devrais peut-être reconfigurer Dextory comme il était avant. Parce que ça frise beaucoup plus qu'avant. Bon. Et oui, c'est bien ce que je pensais. D'ailleurs, le boss, c'est juste... Ah non, ça, c'est pas un boss. Ça, c'est juste une illusion d'optique. Ce que moi j'appelle une illusion d'optique parce que j'ai cru qu'il était gros, mais en fait il était juste rapproché. Et donc le boss, ça doit être ce truc en orange, tout gros. Exactement, c'est bien. Oh, mais c'est pas vrai! Mais foutez-moi la paix! Foutez-moi la paix! C'est pas possible! Ah, les combats de boss, c'est pas fait pour moi! Oh, miséricorde. Ouais, un truc pour Ranger. Bon, bah, un truc pour Ranger à vendre, ce serait pour plus tard. Ouais. À mon avis, il y a tellement de freeze que je ne pourrais même plus ouvrir la map, c'est pas vrai. C'est pas vrai, que des problèmes. Que des problèmes, ce jeu est bugué. À fond. Bugué à fond, donc le boss, je ne le vois pas, et je me fais attaquer, et la map ne va pas se fermer. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ah, comme... Oh, c'est pas vrai, mais ferme. Ferme, j'ai dit. Il y a un Snoop Beetle qui m'attaque. Alors tu vas avoir l'obligation de la fermer, voilà. Et bien entendu, je sais ça alors qu'il était déjà fermé depuis des siècles. Je sais, je sais. Tiens, des aventuriers, j'espère que c'est mes amis les nains. Comment on se retrouve? Bon. Il s'ouvre maintenant? Non, il s'ouvre pas. Bon, je vais la refermer au cas où. Voilà. Comme ceci. Le boss maintenant? Non. Le boss n'est pas révélé. Ah si, il est révélé dans ma minimap. Bon, ok. Tant qu'à faire. Sauf qu'avec le nombre d'ennemis qui vont me sauter sur la gueule. Et je n'ai que 3 potions. Je pense pas que ça soit suffisant face à un boss. Surtout au niveau 2. Oh, c'est pas vrai, encore toi. Bon, t'es que tout seul, alors ça... Vlut. Ok, je prends. C'est... Terme n'a pas l'air intéressant, je la prends pas, j'ai déjà un vanillé à Cup Cup, merci. Comment faire pour attaquer ce boss sans
se faire prendre par ses disciples. Hey, salut! Oh non, c'est un elfe ennemi. Et moi qui croyais que c'était un aventurier. Merde! Oh punaise! Oh punaise! C'est quoi ça? C'est quoi ça, t'attaque? Depuis quand un elfe peut faire ça? Un elfe ne peut pas faire ça! Elle peut pas causer autant de dégâts en une seule attaque! Surtout de mon niveau! Oh, misère, bon bah. Tant qu'à faire, je vais plutôt manger un muffin. Si, il va bien s'ouvrir cette roulette! Ah, ce jeu bug à fond. Thanks for bug! Allô? Allô, j'ai appuyé sur la roulette. Ah! Il vient environ à partir de quelques minutes plus tard. Je dirais au bout de 5 minutes qu'on a attendu cette roulette. Ouais, ce jeu est tellement bugué. Et j'en mange un autre. Qu'à faire? J'en mange un autre. Ouais. Et on va se faire ce fichu boss. En mode totalement épais. Finalement, on va fuir. Ah, misère. Non. Finalement, vu les dégâts que causent les trois en même temps, c'est quasi impossible pour carrément prendre des classes qui attaquent à distance. Hein. Ouais, il faut prendre des classes qui attaquent à distance parce que c'est juste pas possible et je crois que le boss ne m'a pas suivi. Ce boss est con. Bon bah, tant qu'à faire, combat épique. Ah, tellement épique que ça commence à friser. Oh mon dieu, je cache les potions alors que ça servait pour les boss. Ah, waouh, punaise. Ils ont droppé un truc intéressant, ou pas. S'ils n'avaient pas frisé, ce serait bien. Ouais, ce serait même pas mal de ne pas friser. Allez, meurs! Ada Retro Santana! Wow! Il a droppé un truc qui m'intéresse. C'était juste en haut, si ça veut bien grimper. Donc, une armure! Ma première armure de cette série. Voyons, si l'inventeur veut bien s'ouvrir parce que punaise, à chaque combat, c'est... Je viens à peine d'appuyer sur la touche et ça veut toujours pas ouvrir. Vous savez quoi? On va me prendre un chronomètre. On va chronométrer. On va chronométrer juste le temps que ça va mettre pour ouvrir. Vous allez voir, c'est toujours ça. Même en off, ça me le fait. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Comment voulez-vous jouer tranquillement en off avec un truc avec seulement trois quarts des trucs qui s'ouvrent, enfin qui veut pas s'ouvrir. C'est pas possible. C'est juste impossible. Allô, je veux voir mon inventaire. Oh punaise, c'est impossible, ce jeu est totalement buggé. Il faut vraiment que la volaille gère ce petit problème parce que ça, là, cette fois-ci, ça devient urgent. Tellement urgent. Que franchement, c'est... Et voilà, vous voyez, il vient à peine de s'ouvrir. Bon, alors, cet équipement, ça va augmenter juste mon armor rating. Puisque j'étais à nu, mais punaise, j'ai fait clic droit sur ce truc. Ça veut pas. Non. Mais... Click right. Yeah. Bon, maintenant je suis équipé d'une armure. Et maintenant le boss, j'espère qu'il est tout seul. Putain, il est toujours avec ses deux larbins, c'est pas possible. Je crois que un ami de Gamebook, je sais plus qui a fait des guides sur ce jeu, avait raison sur les combats de boss. Mieux vaut commencer à partir de niveau 8. Mais ce serait trop con parce que ce serait possible
pic. Ouais, c'est... Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire en attendant? Les combats de boss ne peuvent se le faire réellement qu'à partir de niveau 8. Bon, bah, on va se faire de l'XP à partir des Snoop Beetles. Voilà, comme ça c'est... Oh mon dieu, il y a du monde qui vient et c'est pas bon signe. On se fait juste un d'XP pour l'instant, mais vous verrez que par la suite, une fois qu'on trouve d'autres mobs de notre niveau, ça va aller plus rapidement ou peut-être plus lentement, cela dépend. Cela dépend des mobs qu'on croise. Aïe aïe aïe, merde, ouais. Bon, il me reste encore quelques XP jusqu'au niveau 3. Bon bah on va se faire un Dark Beetle, tiens. Allez, un petit Dark Beetle. C'est pour la bonne cause. Et la bonne cause, c'est mon XP. Voilà, tout simplement. Bon. Super pour l'instant. Sinon, il y avait eu aussi la Gamescom au moment où je filme. C'est peut-être le dernier jour de la Gamescom, mon avis. Et ben, à part les trucs qu'on a déjà vu à l'E3, il y a pas vraiment grand chose, si ce n'est que les trailers de Battlefield 4 qui donnent vraiment du rêve. D'ailleurs, je viens d'installer Battlefield 3. Merci à Fearful de m'avoir passé une clé Origin, parce qu'il avait déjà le jeu, donc il m'a passé une clé Origin de ce jeu. Je l'en remercie. Parce que c'est toujours sympa des clés données aux amis. Données par des amis, pardon. Et toi aussi, tu dois mourir. Alors merde. Hein? C'est pour la bonne cause? La bonne cause, c'est mon XP. Voilà. La bonne cause, c'est mon XP. Tout simplement. Bon. D'ailleurs, je crois qu'on ne va pas retourner en ville pour finir cet épisode. Que diriez-vous qu'on arrête ici, hein, tant qu'à faire, parce que tout ce que je peux faire pour le moment, c'est d'XP un peu. Bah, d'ailleurs, il y aura beaucoup d'XP. Il faut d'ailleurs XP. Il faut pexer. Il faut pexer, il faut farmer, il faut faire... vous pouvez appeler ça n'importe comment. Je suis pas non plus un grand joueur de MMO, si ce n'est que Cube... De RPG, pardon. Si ce n'est que Cube World, parce que franchement, c'est vraiment classe ce jeu. Un RPG où le monde est généré aléatoirement, ça c'est vraiment classe. Et peut-être j'attends aussi une des mises à jour qui permettent, ce sera peut-être pour énormément longtemps, une des mises à jour qui permet justement de construire sa propre baraque. J'espère faire une grosse baraque avec plein d'éléments bien alentours. Si, quand je parle de faire sa baraque, c'est pas non plus du même style que Minecraft. C'est pas on prend un cube pour le poser autre part, non, c'est carrément on a des plans. C'est un peu comme Skyrim en fait, sauf que Skyrim c'est limité en nombre de pièces. Alors que Cube World, j'imagine que c'est pas limité et qu'on est libre de faire autant de pièces que l'on veut. J'espère. Et si jamais c'est limité, fuck it, hein. De toute façon, la customisation des armes, c'est aussi limité. Bon. Bah, on va se pixer. Je vais juste se battre encore ce Snoop Beetle. Ce Snoop Beetle. Oui, j'ai bien dit ce Snoop Beetle. Et on va arrêter pour le moment cette vidéo juste ici. C'était YanSDR. Le Punk Squelette, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de Pêcheurs.